De vie dans un pays émergent, mais aussi en tant que mère de famille et professionnelle, j'ai donc choisi d'engager depuis plusieurs années une lutte pour l'accès aux soins des plus modestes, mais aussi pour l'autonomie des femmes. De là est née la création de cette ONG et du prix qui nous réunit ce soir, et dont la première édition est tout naturellement dédiée à la santé des femmes. Ce prix sera remis chaque année et consacrera une œuvre réalisée ou en cours de réalisation dans le cadre des objectifs définis par les statuts de notre association. Cette association est à but non lucratif et son objet est de promouvoir l'accès à la santé, à l'éducation et à la nutrition, aux premiers secours aux femmes et aux enfants en situation de détresse, d'extrême pauvreté et de risques sanitaires que ce soit dans le monde. J'ai souhaité que cela soit fait à la fois ici en France et depuis l'an dernier, mais aussi au Pérou. Pour la santé des femmes et pour vous engager à mes côtés, une seule et même devise. Ensemble, nous réussirons. Nous allons maintenant entendre quelques pièces de piano interprétées par la princesse Caroline Murat, qui est pianiste de renom international, qui a été formée à Paris au Conservatoire, mais aussi à Vienne, à Moscou, aux États-Unis. Totalement dédié à la santé des femmes, et je vous en remercie.
Fuera la masa sin cantera, un testaferro del